mes yeux. Est-ce qu'on connaît? Il y a en pile tractation qu'a fait là. Le cadre dossier politique là. Moun ou pas avancé, moun ou pas jam passé, ou bien moun ou pas jam tande. Eh bien, c'est pas une élection seulement, non, moun candidat. Quel est le candidat là? À terre. Gant pile candidat, donc à terre, mais. Candidat pour président provisoire. Très bien. Très bien. Le groupe Komodoni, il est comme candidat, Patrice Dumont. Patrice Dumont, candidat pour président? Oui. Comment Patrice Dumont hein? Patrice Dumont. Sénateur de l'Ouest, nous connaissons une série d'attaques face à Joseph Lambert, que c'est lui qui a été voté pour une président provisoire. Eh bien, monsieur Patrice Dumont, il se présente. D'ailleurs, lorsque le groupe-là, il y a plus d'une organisation pour capable appuyer la candidature en poste de président pour gloire, M. Patrice Dumont. Qui est-ce encore? Monsieur Edgar Gardy Leblanc. T'as toujours éternel. Auquel t'as présenté, monsieur, pour lui-même, vine président. Esaü? Oui, nous connaissons. En avance, on met conclu pour nous, on allez. T'as comme des dit, Madame Komodoni, ok, avec son groupe, eh bien, il a gagné. Il a plus appuyé, ok, la candidature de M. Patrice Dumont au poste de président provisoire. Très bien. Donc, dans un monde maintenant, il y a un seul candidat, il y a deux candidats, trois candidats au poste président, mais chargé candidat, ok. Le groupe, on nous dit, le protocole d'entente qu'il y a eu entre le Sénat et le protocole d'entente les groupes des partis politiques et de l'opposition avec le Sénat de la République, qui était accepté ou bébaye Joseph Lambert comme président provisoire, eh bien, Patrice Dumont lui-même était campé en quoi? Il n'est pas d'accord pour que sénateur Lambert, ok, vienne candidat pour poste président. Donc, lui-même, au départ, selon dernière information que nous gagnons, ça va être sous table là, eh bien, le groupe Komodoni, eh bien, voulait présenter Patrice Dumont comme candidat potentiel pour le poste de président provisoire. Eh bien. Donc, et nous même ligne tout, nous connaissons, nous dit qu'il y a des groupes de l'opposition qui voulaient appuyer, ok, toute question de gouvernement bicéphale pour qu'il y ait un président avec un premier ministre en un pays. Eh bien. Donc, des groupes de l'opposition qui sont toujours dans la rue, hein, nous voulons parler de groupes appuyés, qui ont appuyé un petit Dessalines, eh bien, groupe ça, eh bien, il y a pour qu'il y ait un gouvernement bicéphale avec un président et un chef de gouvernement. Eh bien. Donc, c'est ça qui a passé la journée aujourd'hui à la Loukou de Dieu. Mais entre temps, tout Loukou de Dieu, il faut que nous disions que. Pas qu'il y a un bon gâteau. Ça va gâteau, hein? Le groupe fantôme est si connu. Section 9? Le groupe fantôme est si connu. Non, mais qui fantôme? Section 9? De la police nationale, hein? Hein? Fantôme, c'est de la police nationale. Oui, ouais, mais section 9. Fantôme, section 9. Fantôme, section 9. Hein? Décidé pour la ria. Sortim là. Nous là toujours. Fantôme 609. Selon une dernière constatation qu'il y a eu au niveau de certains commissariats de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ok. Eh bien, monsieur Fantomio, eh bien, décidé pour occuper Béton, même général habitué Feli, parce que selon dernière information, monsieur, il faut comprendre que monsieur Léon Charles a été appuyé par le président de la République et que ce même président. Ok, a été assassiné, ok, dans sa maison. Mm-hmm. Donc, ils ont même yo estimé que M. Léon Charles n'a pas de place dans la police là, et que même ils ont foulé ma cadame là, ils ont fait des faits, ils ont mettre béton chaud ou quoi de dire. Donc, c'est pour exiger le départ, la démission de M. Léon Charles. Pour exiger entre-temps le départ du directeur général de la police nationale, M. Léon Charles. M. Fachet. Monsieur, mauvais coup, comme vous pouvez dire, en dehors du commissaire dans la région métropolitaine, eh bien, presque gagné, ça n'y est, on levé campé que ça le fait. Ok, presque gagné, on levé campé, parce que monsieur estimait que Léon Charles passait une bêtise, Léon Charles paraît pour la mission, selon certains policiers, ok, qui fait partie
de groupe ça a nous les fantômes. Donc on est fantômes, c'est des zombies, n'est-ce pas vrai? Mm-hmm. OK, c'est des zombies qui viennent protéger vivants sous la terre. Selon Jean eux-mêmes, ils étaient by définition. Donc ça veut dire que monsieur fantôme ça yo, OK, qu'il y a des policiers actifs monsieur yo réunis pendant le week-end dans la Louko de Dieu. Oh, monsieur dit que va bailler un chalon frappe. Eh bien, merci un peu les amis, c'est des informations qui font prendre au sérieux. Ouais, très au sérieux. Parce que monsieur ça yo, il dit pas que président en de pays. Eh bien, merci un peu les amis, c'est pays à c'est nommé au lieu. Merci un peu les amis, on vient en base. Chaque matin là, Kotoye. Eh bien, nous connaissons. Eh bien, PIA attend jusqu'à date justice pour le président de la République. Eh bien. Mais pendant que PIA attend justice pour le président de PIA, faut que nous nous connaissons. Dieu de monde là, la justice, ça a pour tendre dans le cadre d'assassinat qui fait le président de la République. Eh bien. Nous connaissons, est-ce qu'on connaît? Président, dans le fonctionnement, il y a une équipe qui est l'équipe Jomo. Équipe Jomo, hein? On avance. Équipe Jomo, ça, il y a là-dedans plusieurs amis à grande famille, président avec madame président. Vous comprenez pour moi, équipe Jomo, qui est-ce qui est là-dedans? Équipe Jomo, c'est des mondes de confiance président de la République. Hein? Moun sa yo, selon information que monsieur qui yo même en dans USP nous connaît c'est lui même qui t'a supposé monsieur ça a mené président la Kaili monsieur ça a mettre non l'autre côté non l'autre coin yo mettre en face Kaï président en dit dans la croix comme ça oui t'es comme ouais t'es comme Kaï Guilou ouais t'es comme Kaï Guilou c'est eux même d'ordinaire sur le plan sécuritaire c'est USP qui pour prendre président, les gros problèmes, quatre teams a frappé, USGPN a frappé, et USP lui-même, mais ok. Eh bien, nous connaissons. Groupe Moun Sayo, ma parole, qui sécurité rapprochée, président. Il n'y a pas même de chambre président, non? Il n'y a pas de chambre président. Chambre président. Il n'y a pas de aucun agent USP qui connaît qui bon chambre président, yé. Si vous voulez quoi, policier USP qui ferme dans l'isolement dans le pays. Donc, ça t'a dit qui ça? Ça t'a dit qui ça, Esaü? Ça veut dire que monsieur Sayo qui est dans l'USP, il n'a pas gagné contre le président. Il m'a dit que vous avez déposé le président dans la croix. Mm-hmm. Ça fait information que monsieur USP, ben moi. Eh bien. Parce que moi-même, je cherche information, je cherche comprendre ce qui a passé. Eh bien. Groupe ça m'a parlé là, là, vous connaissez. Groupe ça, qui c'est groupe Zamitaï, avec famille, Zami, président Jovenel Moïse. Libéradon, on s'était Jean-Alex, alias Carlo. Jean-Alex, alias Carlo. Lui-même, lui-même, tête équipe, je moi. Ok. Gagné Bouquet. Bagé tout non li, gen Junior. Gen ti chauffeur, gen Joachim, gen Fofan. Junior ti chauffeur Joachim. Yo, alors président République là, enfermé yon kay pour monsieur Sao nan Père de 7. Très bien, confirmé. Chaque fois, monsieur Sao fin déposé président dans la croix, yo viré aller nan Père de 7. Agent USP pa gen contrôle président. Sinon que seulement les présidents sortis dans la cour. Qui donc, USP, pas de contrôle, président de la République pour le président, pour déplacer avec elle. Eh ordinaire, mais bien sûr, d'ordinaire, c'est USP qui t'a supposé pour le président, ok, pour VIVA, pour sauver avec elle, pour échapper avec elle. Monsieur Sayo, est-ce que la police a été ou bien, côté où, Gonya? Comment? Monsieur Sayo, est-ce que la police a été ou bien côté où? C'est la grande question qu'il faut se poser ce matin. Où sont passés ces gens qui faisaient partie de l'équipe rapprochée, je dirais, de l'équipe de confiance du président de la République? C'est une question que moi-même personnellement, m'a essayé de poser et dans l'opinion, j'ai besoin de comprendre ce qui a passé exactement
dans le cadre d'assassinat président républicain. Parce que des gens qui se confient au président, au moins, ils ont gagné un ensemble de formations, ils ont gagné un ensemble de formations pour être partagé avec la justice. Eh bien, en tout cas. En même temps, donc c'est ça, Louko Désir, et si je devais partager avec l'auditoire, Maté Débat, est-ce que je me passe ça?